les beignets. Chez moi, on aime les beignets. Et j'aime tout particulièrement, personnellement, faire les beignets parce que c'est délicieux, c'est simple et c'est rapide et facile à faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma recette rapide, facile, simple et délicieuse de beignets de riz à la tomate et aux crevettes. C'est une recette qui est idéale pour des encas et même pour des goûters. Mais vous pouvez aussi faire cette recette parce qu'elle est rapide à faire et elle est pratique pour emporter au boulot ou même à l'école. Et vous allez voir que c'est une recette qui est pratique et simple à faire parce qu'il vous suffit de moins de 5 minutes pour tout mélanger et même pour tout cuire. Donc c'est l'idéal si vous êtes une maman comme moi, que vous avez autre chose à faire que passer tout votre temps en cuisine. Mais en plus, c'est une recette que vous pouvez utiliser pour faire des beignets et les glisser comme ceci, délicatement, ni vu ni connu, à tous les types de repas. Le déjeuner, le petit déjeuner, le déjeuner et même le dîner. Ça suffit largement pour remplir les ventres et franchement, c'est délicieux. Mais avant de continuer, je suis Carole, maman de 4 enfants et sur ma chaîne, on parle lifestyle, on parle organisation des repas, bref. N'hésitez pas à vous abonner tout de suite là, juste en dessous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, partagez à vos copains, à vos copines, à vos voisins, même aux passants. Et moi, je vais tout simplement aller ranger ce bouquet de fleurs. Ça sent bon et ça fleurit la maison. C'est vraiment agréable. Donc, je vous conseille de vous mettre aux fleurs si vous ne l'avez pas encore fait. Mais ça, ce n'est pas le sujet du jour parce qu'aujourd'hui, c'est beignet, beignet et beignet. Allez. Allez, maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon panier parce que je suis allée faire les courses ce matin au marché. Et pour faire mes beignets de riz à la tomate et aux crevettes, on aura besoin de tomates et pas n'importe quelle tomate, des tomates cerises. Voilà, j'ai deux belles petites barquettes de tomates cerises qui vont nous permettre de faire ces beignets à la tomate. Donc là, je vais les poser juste là comme ceci. Ensuite, on aura besoin de persil. C'est important, on va mettre des herbes là-dedans. Ça va apporter de la couleur avec le vert, mais aussi beaucoup de goût. Donc, du persil plat. Ça sent bon, je vous dis pas. Allez, on va rajouter des oignons. J'ai pris quelques oignons. On ne va pas tout utiliser, mais ça, c'est très bien. Et j'ai acheté ça parce que au marché, il n'y en a pas en ce moment avec la pandémie. Il n'y a pas de poissonnier au marché en ce moment. Mais j'ai pris ça dans le petit market à côté. Et c'est simplement des crevettes décortiquées bio. Voilà. Ça suffira largement pour la quantité de beignets que j'ai envie de faire. Je rajoute mes citrons. On aura besoin de citrons jaunes juste pour le jus. Et enfin, on va avoir besoin d'ail. Alors, c'est pas tout vu qu'on a dit que c'était des beignets de riz. Donc, on aura besoin de farine et de deux types de farine. J'utilise principalement de la farine de riz. C'est de la farine de riz que vous pouvez trouver dans les épiceries du monde. Je sais pas s'il y en a chez Carrefour, j'ai jamais cherché. Voilà. Ensuite, on va utiliser un tout petit peu de farine normale. Et vous devez savoir que si vous n'avez pas de farine de riz, vous pouvez très bien utiliser cette farine, la farine normale, pour faire ces beignets. Une fois que ça c'est dit, on peut commencer avec la recette. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, c'est une recette facile et rapide à préparer. Déjà, je vais commencer par laver mes tomates cerises. Je les trempe directement dans de l'eau comme ceci. Je les équette. Voilà. Ensuite, je vais les découper en petits morceaux, pas trop fins quand même, mais oui, des petits morceaux, voilà, en petits dés, j'aime dire. J'aime bien dire des petits dés. Une fois que j'ai terminé de découper mes tomates, il me reste quelques tomates. Je ne vais pas les jeter ou je ne vais pas les garder comme ça parce que j'ai peur qu'elles pourrissent. Et ce que je fais d'habitude, c'est de la saumure. Alors, si vous me suivez, vous avez l'habitude de voir ça. Mais je vais encore plus loin souvent. La saumure, c'est tout simplement une technique de conservation
qui nous vient d'Asie, en particulier du Japon, et ça permet non seulement de conserver les aliments pendant longtemps, mais surtout et aussi de leur donner du goût. Donc, pour réaliser la saumure de tomates, je découpe simplement mes tomates en deux, je les mets dans un pot, vous pouvez utiliser des bocaux que vous avez, voilà, moi je les mets dans mes pots en verre. Je rajoute une cuillère à soupe de poivre noir, une cuillère à café de sel, du vinaigre de cidre, la quantité dépend du goût que vous voulez avoir, et une tasse d'eau. Et pour la conservation, on va dire que ça se conserve au frigo. Plus vous gardez longtemps au frigo, plus votre saumure ou alors vos aliments seront forts en goût, et ça c'est le must. Voilà. Une fois que j'ai terminé avec la saumure, maintenant je continue avec ma recette de beignets. Je prends pas mal de feuilles de persil plat que je lave. Je vais les sécher. Et on va les découper finement, on va les tailler finement. Par contre, pas trop de tiges pour que ce soit pas trop dur, voilà. Maintenant, je vais m'occuper des oignons. Un oignon, ça suffira largement pour ma recette. Donc, je fais pareil, je vais tailler mes oignons finement. Une fois que ça c'est fait, je passe à l'ail. Je vais juste mettre 2 gousses d'ail, ça suffira largement pour cette recette. Pour terminer, je vais rajouter du sel. On va dire une cuillère à café, ça suffira. Après, il faudra goûter avant pour ajuster au cas où, ça ne suffit pas. Et maintenant, je prends ma farine de riz. Moi, je me sers de ma petite louche blanche. Là, j'ai mis une cuillère, une louche plutôt. On va mettre une deuxième de farine de riz. Et la farine normale, je n'en mets qu'une seule, une louche. Selon moi, c'est très bien. Je vais rajouter un œuf ou 2 en fonction de la taille de vos œufs. Mes œufs à moi sont assez petits, donc je vais en mettre 2. On met des œufs entiers. Et enfin, oui, je sais, hein, vous avez cru que j'avais oublié, mais non, mes crevettes que j'ai taillées et je les rajoute comme ceci, juste à la fin. Après, vous pouvez les rajouter à n'importe quel moment. Voilà, mon mélange est prêt et je vais tout simplement faire tout ça à la main, que ce soit bien homogène, avoir une belle pâte. Ma pâte est prête, je pose ma casserole au feu et je vais la remplir d'huile végétale. Ensuite, il suffit de prendre une cuillère pour récupérer un petit peu de pâte et faire frire les beignets à feu vif. C'est important que le feu soit vraiment vif et surtout que l'huile soit bien chaude avant de commencer à frire nos beignets. Ensuite, il suffit de quelques minutes pour que les beignets soient prêts. Si comme moi, vous aimez faire plaisir aux membres de votre famille, voici de magnifiques et délicieux beignets de riz à la tomate et aux crevettes.
C'est tout simplement superbe, c'est beau, c'est doré, c'est coloré, ça sent bon, c'est frais, c'est sain et délicieux et joli à la fois. Pour la dégustation, vous pouvez manger nature, c'est très bon, c'est très moelleux. Mais vous pouvez aussi faire une sauce au yaourt maison. Pour ma recette de la sauce au yaourt, moi je mets simplement un pot de yaourt nature et du jus de citron. Je rajoute un tout petit peu de sel, mais vous pouvez prendre un pot de yaourt sucré. Et le tour est joué. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà une délicieuse recette de beignets de riz à la tomate et aux crevettes. Franchement, je vous la conseille. C'est l'idéal pour vos enfants, pour les goûter et même pour remporter au travail ou à l'école et à tout type de repas. Ça va faire plaisir aux grands comme aux petits. Chez moi, tout le monde adore. Si vous êtes une maman comme moi et que vous aimez faire plaisir aux membres de votre famille, voilà de quoi faire plaisir à ceux que vous aimez à petit prix. Parce qu'avec 8 euros seulement, voire moins de 8 euros, si vous avez déjà la farine et le sel et le poivre et les oignons, vous pouvez faire plaisir à votre famille avec moins de 8 euros seulement. Donc n'hésitez pas à tester ça et à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez utiliser le hashtag recette et maman. Et aussi n'oubliez pas à publier sur Instagram et à m'envoyer vos photos. J'espère que cette recette va vous faire plaisir, que ça vous inspire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste là en dessous. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. C'est moelleux, c'est délicieux, moelleux, moelleux c'est le mot, c'est moelleux, c'est, on dirait une éponge, c'est, franchement c'est délicieux, moelleux, moelleux, c'est bon, hein? Allez, bon appétit.